Salut les amis, aujourd'hui c'est par là-bas que ça se passe. On va aller se faire le bike park d'Ancel et surtout découvrir les nouvelles pistes qui ont été échappées par le nouveau magasin La Maison du Vélo, qui d'ailleurs loue du matos et fait des sorties organisées, qui se trouve là sur ma droite. Bon, comme j'ai pas été un bon élève hier soir et qu'il faut que j'évacue la bonne planche à tapas qu'on a mangé chez Lulu hier soir, eh bien on va se faire l'ascension sur le VTT au lieu de prendre le télésiège. Et comme j'ai trois pistes à découvrir, va falloir se le monter trois fois. Alors on verra bien si le défi sera relevé à la fin de la vidéo. Oumba. Allez, ce qu'il y a de bien, c'est que d'entrée, bing, dans tes cuisses, tu rentres dans le vif du sujet. Alors, on se tape la montée par les pistes qui va nous emmener tout en haut de Moissière et où on récupérera pour aller chercher les télésièges et le départ des parcours. Allez, la première grosse difficulté est passée. Là, on va rejoindre le col de Moissière tranquillou. Et la dernière montée pour le télésiège. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi magnifique. Un régal à rider les Hautes-Alpes, Ancel et ses environs. Allez, on y est pratiquement en haut de Moissière. On a chopé le petit tronçon de route et après on part sur la droite. On roule dans les pistes, chercher le télésiège. Allez, on arrive au col de Moissière. On va poser le petit sticker, ce qui va bien. Celui-là, il a été gravé par nous, par la chaîne VTT Attitude. On y est, on est en place. Et voilà le petit panorama tout autour. Et direction le Châtaigret maintenant, le télésiège. Allez, nous voilà enfin en haut avec les vaches, le télésiège. Bon ben même s'il m'avait pris la lubie de vouloir faire aujourd'hui, il est fermé, j'avais pas fait gaffe. Donc bon, tout a pu sur le vélo, mais c'est dur, hein, j'ai encore la sortie des balcons de Rouen dans les pattes là, je le sens aujourd'hui. Allez, direction la première descente. Go, go, go! Sympa. Alors je rappelle, tout ça a été travaillé, je vais commencer par la verte tranquillement, tout ça a été travaillé par la Maison du Vélo, petite boutique de location, de réparation. Ils font des sorties organisées, ils font des cours de vélo aussi sur Ancel, donc merci à eux. Ils ont créé de nouvelles pistes cette année, ça bouge un petit peu, c'est ce que je me plaignais chaque année, que le bike park stagnait malgré qu'il y ait du potentiel. Et là, il y a une équipe dynamique qui s'est mise en place et ça va faire du bien pour les touristes et les amateurs de VTT. Donc, ne pas hésiter à aller leur faire un petit tour, un petit coucou. Alors voilà, c'est celui-là que je voulais essayer. Ça, celui-là, il est tout nouveau. Donc on commence par du vert. Et après nous, on récupérera la piste bleue.
Voilà, ça c'est tout neuf de cette année. C'est sympa par là. Un petit peu de mouillac, non? Ouais, ça pédale un peu. Alors là, faut faire attention parce que la flèche, elle est complètement cachée. Heureusement que je me suis dit, putain, bizarre, il y a un beau chemin qui part sur la droite et on le prend pas. Ou qu'on ça glisse. Ah. Ouais, bon, ça ramène au bon endroit. Donc c'est pas bien grave, même si vous le loupez. Bonjour! Alors là, il y a marqué que vert. Il y a vert et bleu plus loin, putain. Je me perds un peu là. C'est la première fois que je le prends. Désolé pour ces temps morts. Alors par contre, ça glisse à gogo. C'est une petite glaise. Le pneu avant, il tient pas un couillon. Peut-être un petit peu plus de blé comme qu'il y a de l'herbe ou pas. Bon, pour l'instant, c'est tout bien expliqué. Bon, le seul bémol, c'est que franchement, la vue c'est dégueu. Ils auraient pu faire mieux, quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible. Hein. Je déconne. Allez, c'est reparti. Putain, ça va encore glisser à nouveau là, ouais, gagné. Ouh, il n'y a pas d'adhérence, pas un brin. Et pourtant, je vais pas vite. Hein. Il est tombé chavane hier, ça se ressent aujourd'hui. C'est con parce que avec du grip, tu dois te faire plaisir là-dedans. C'est ludique à souhait. S'il pleut plus, je reviendrai la faire la semaine prochaine au sec. Génial, je suis jamais venu rouler par ici. Ça me fait découvrir en plus. Bien bien sympa. Bon, je vous ai passé la première partie ingérable. Ça s'est fait sur le vélo. Ça glisse à outrance là, c'est pas le bon jour. C'est dommage. Parce que franchement, ça avait l'air top. Mais il n'y a aucune adhérence. Et pourtant j'ai deux pneus neufs. Hein. C'est leur deuxième sortie. J'ai le mignon DHF devant et toujours l'agresseur derrière. Et ça tient pas un couillon. C'est bien dommage. Ah! Putain, forte pente, danger, tu m'étonnes. Ça tient pas. Ah, je suis dégoûté. C'est du caviar en plus. C'est du bueno bueno. Watch les quoi. Je suis pas tombé là, mais je peux remercier. Je peux remercier Dieu là. Oh le carnage. Oh le carnage! Oh, je fais des couilles! Là en fait, tu. Ah, ça glisse un petit peu moins par là.
On lâche un petit peu. Cette première descente, j'ai dû mettre 10 minutes. Parce que ce qui vient de passer, une petite bête. Mais à refaire en temps sec, parce que franchement, elle doit être au top. Attention, lac. Allez, pour clôturer cette petite descente, ça va mieux là-dessus quand il n'y a pas de boue. Je suis à l'aise, je suis lisse, les cailloux, c'est sa maison. Allez, c'est terminé pour cette première descente. Bon, mais bilan première descente, j'ai pris la bleue 4, je crois, avec le départ de la 5 verte. Vraiment bien travaillé au top, franchement, ça va être un régal. Bon, la première partie, malheureusement, vu qu'il a plu hier, c'était pratiquement impraticable, donc il n'y a pas de quoi s'amuser. Mais par contre, en temps sec, je vais revenir parce que c'est du bueno, quoi. C'est du caviar. Bravo. Bon ben, on est parti pour la deuxième grimpette. Je pense pas qu'il y en aura une troisième. Mais bon, sait-on jamais. Un coup de folie. Les pistes sont tellement belles. Fait tellement... Et ça monte toujours. Et c'est que la deuxième. Allez, de retour sur le col de Moissière. Parti pour la dernière petite partie de l'ascension, toujours en direction du télésiège, puisque tous les départs des pistes se font là-bas et sont communes. Alors on s'accroche. Allez, deuxième fois en haut. Encore une vue pas terrible. Et on est parti pour la deuxième descente. Allez! Au départ de la deuxième descente, donc on a pris cette fois-ci le parcours rouge, la piste 1, qui est un peu plus technique. Je pense qu'elle devrait un petit peu moins glisser sur le départ, du moins parce qu'elle est plus rocailleuse, donc on devrait un petit peu plus s'amuser dans celle-là. Si on part à droite, alors voilà, là c'est la partie sous bois, c'est là que j'ai peur que ça se mette à reglissouiller un petit peu. On verra bien l'état. C'est pas fantastique les amis ça. Ouh. Ah, bouillac, cacaillac. Voilà, celui-là il est toujours aussi fun. Hop là. Là c'est bon parce que ça glisse juste pour faire partir l'arrière. Et l'avant garde un petit peu du grip pour le moment. C'est top. Du coup on se fait, même s'il est plus technique, on se fait beaucoup plus plaisir dans celui-là. Parce qu'il est beaucoup moins glissant. Donc on peut piloter un petit peu plus, malgré que le bleu, franchement, là-bas, à refaire au sec. Allez, maintenant, on est revenu au milieu. Il y a les copines là-bas, le fan club qui nous regarde. Hop là. Alors là, il faut faire gaffe, parce que là, ça glisse. Comme tu as tendance à prendre un peu plus de vitesse, eh ben...
Parce que là, qu'il faut pas, dans des passages comme ça, qu'il faut pas se faire surprendre. Planche en bois. Ouh, la sortie, c'est fait en glissade. J'ai rattrapé la roue avant. Ah, celui-là de parcours aussi. Il est bien. Il est bien de chez bien. Ah, il y a fer, hein, c'est mouillé. Ça n'aime pas. Ouais, il est beaucoup plus sec que l'autre, hein, beaucoup plus ludique du coup. Donc ça, c'est le rouge, le parcours numéro 1. One. Allez, ça. Allez, là-dedans, on l'achève. Hein. Gardez de la vitesse, même si les pierres roulent avec une vitesse constante, c'est toujours mieux. On va arriver dans la petite partie sous bois. Normalement, c'est par là. Là, celle-là. Putain, donc, ben, les lunettes, elles n'ont pas fond défoncé. Ah, ça y est. Là, les lunettes photochromiques pour ce genre de passage, c'est top. Hop, là, il y a du monde. On fait un petit peu attention, merci. Bonjour. Et voilà. C'était génial, celle-là aussi. Fini. Deuxième descente validée, donc la rouge, la numéro 1. Vous avez pu voir un petit peu plus technique, mais ça reste quand même faisable, c'est quand même bien ludique, donc on peut quand même garder un petit peu de vitesse, se faire plaisir en pilotage, et c'est ça que j'affectionne en tout cas, avec des super passages en sous-bois. Bon, ben de nouveau dans le dur pour cette troisième montée. Franchement, c'est pour vous montrer cette troisième descente sur la même vidéo que je m'y suis collé là, parce que j'en peux plus. J'ai le dos, il est grincé, mais je m'accroche pour vous montrer tout ça. Puis après, il faut dire aussi ce qui est, la descente, c'est un régal. Donc bon, je râle un petit peu là, dans la montée, mais je sais que je vais me faire plaisir après, donc c'est un mal pour un bien. Un des passages un petit peu difficiles de la montée. Alors le prenez pas tout droit, préférez faire des zigzags et au plus simple. Et là, bim, ça passe. Si vous le prenez tout droit, ça passera pas. Il faut chercher à lire un petit peu le terrain. Et en faisant ce genre de zigzag, on va chercher le plus propre. Ça passe sur le vélo. Allez, ça monte toujours. Et dans la fin de la troisième montée, enfin la fin, le début de la fin, toujours la banane, toujours le sourire, même si c'est très très dur physiquement. On est à quoi, 1050 mètres de dénivelé depuis le début de la sortie, 25 bornes, ça commence à tirer un petit peu de partout. Mais c'est que du bonheur, un plaisir plus de le faire et de pouvoir vous montrer tout ça en vidéo. Allez, on est encore arrivé au col de Moissière, toujours une vue au top. Donc la troisième montée est presque réalisée, il ne reste plus qu'à se monter tout là-haut. Ça commence à piquer, mais ça va le faire. Allez, dernier coup de pédale, on arrive à la réserve d'eau. À en faire le tour et place à la dernière descente bien méritée. Allez, on est parti en direction. Et c'est une que j'affectionne aussi parce que sur la fin, elle est vachement ludique. Vous allez voir ça. Alors là, normalement, ils ont scindé en deux morceaux, une rouge, et ils ont fait un petit bout de bleu. Oh,
faire gaffe parce que avec la pluie, je sais pas si ça glisse ou pas. Pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal, il y a du grip. Et c'est plein maintenant, on commence à faire, le soleil commence à tomber. Je suis là en plein dans le coin de l'œil là. Je vois pas grand chose par moment. Et tu me dis, moi ça m'aide, parce qu'au moins j'y vois, en plus je descends vite. Hein. Ça me fait moins peur de rien y voir. Voilà pour la première partie. Et voilà la partie que j'affectionne, que je trouve sympa. Elle est pas piégeuse, enfin quand elle est sèche, elle est vachement ludique. Par contre voilà, là tu vois que dalle. Là t'es en nocturne. Mais par contre ça glisse dur. Oh là ça va. J'ai l'arrière qui chasse, je veux doubler devant. Donc elle sera pas aussi ludique que... Tant pis. On va pas pouvoir se faire plaisir à souhait. Ça glisse trop. Non, il n'y a pas de grip. Aucun grip. Là, peut-être un peu plus. Et encore. Le vélo par moment il part carrément sur le côté en chassant des deux roues pour te dire au point où ça en est, tu sais. Alors là c'est vraiment dommage. Du coup, je m'avais mis noble juste avant de rentrer à la maison, c'est top. Ah. Ouf. Ah. Ah, c'est dommage, on va pas pouvoir le prendre à grande vitesse. Enfin vous voyez le truc quoi, c'est un petit pif paf là dans les trucs là, normalement tu te régales. Ouah. Oh l'idée, oh nice. Ouah là 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 là, le carnage. Et voilà, voilà cette fin de descente. Voilà, troisième descente finie. Défi validé aussi, trois montées. On est à 1144 mètres pour, allez, j'arrondis 30 km, ça pique. Donc vous avez pu le voir, la troisième descente, elle est vachement ludique sur la fin. Bon là, dommage qu'elle est comme la première, pratiquement ça glisse trop pour pouvoir se lâcher les watts, mais celle-là, je vous garantis que quand elle a du grip, que c'est sec, elle est terrible, surtout la fin dans les petits virolos là, c'est un régal. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de venir tester le bike park d'Ancel. Vous avez vu, c'est des pistes familiales, les fous des sauts et tout ça, c'est pas ici que vous trouverez votre bonheur, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et je remercie encore une fois la maison du vélo, petite boutique de vélo sur Ancel qui fait réparation, location et tout ça, qui ont travaillé sur ces pistes. Un grand merci à vous. Allez, ciao tout le monde pour la prochaine vidéo.